Bah déjà, c'est un beau concept, parce que ça représente la créativité dans son ensemble, dans l'océan Indien. Et le fait d'être invité en tant que réunionnais à des touristes, c'est toujours un bonheur pour moi. Et c'est surtout le fait de voir des dizaines de milliers de personnes réunies. On ne voit quasiment jamais ça à La Réunion, et c'est magique, vraiment magique. Le moteur, c'est d'abord la créativité. C'est vrai que quand on a fait 3 albums qui ont super bien marché, on se pose toujours la question, est-ce que le prochain sera aussi bon, voire meilleur? Bon, moi j'ai confiance, j'ai pas encore composé pour l'instant, mais parce que les chansons marchent encore bien et le public en demande, et bon, le temps viendra où je prendrai ma plume pour en faire d'autres chansons. Alors, pas de projet véritable, mais c'est surtout le plaisir de chanter, le plaisir d'être sur scène. Je crois que c'est ça l'essentiel dans la vie d'un artiste. On est un peu sur la tour, pour moi, c'est réunir tout sur une île là. Et nous partage nos sentiments au même la scène. Et plutôt que le réunir, ils jouent. Nous connaissons la force extraordinaire, mais nous trop divisés. Mais maintenant, nous connaissons comment se comprendre nous sommes. Nous faisons ensemble. On a un single qui vient de sortir là. Et après, on a un concert à Milvea dans la Réunion.